Aujourd'hui, on va regarder Robin, qui est l'un des meilleurs joueurs américains. Il a gagné, par exemple, en 7-5, les championnats d'Amérique. Récemment, il y a un gros tournoi invitational qui a été fait pour les meilleurs joueurs d'Amérique actuels. Il y avait 10 000 dollars en jeu et on va analyser ensemble la dernière game de Robin qui l'a fait gagner ce tournoi-là. Il joue une compo assez connue, mais sur une variante assez particulière. On va regarder ça ensemble. On voit qu'il a commencé à la baguette. C'était un start offensif, donc c'est-à-dire qu'il avait le choix entre baguette, épée et arc et il a décidé de prendre la baguette. Bon, il a une baguette sur un Asus, c'est pas super intéressant. Du coup, on va aller prioriser des unités qui vont bien ensemble comme les deux Laser Corps. Deux Laser Corps, même si on a deux baguettes pour l'instant, il y en a une sur le bench, une sur le Nasus et là on a une cloak. C'est pas des systèmes terribles pour jouer Laser Corps, du coup ça peut être l'opener, mais on n'a pas trop envie non plus de full prioriser ça. Dans ce shop par contre on a deux Wukong, une Poppy, je pense que c'est trop important de les prendre. Là il a déjà eu ses trois items, du coup il sait qu'il a au moins 6 gold et donc voilà, il se permet de vendre le Shogat pour acheter tout le reste. Et c'est là où du coup on va avoir le point de toute façon que vous avez vu dans la miniature, assez important, voir comment il fait son choix. Alors on a le choix entre second win, item grab bag, defender art. Item grab bag c'est très très fort en early game, comme ça ça vous donne un item d'avance par rapport aux autres à ce stade de la game, comme il y a peu d'items en jeu c'est très fort. Second win c'est aussi une très bonne augmente, elle a l'un des meilleurs win rate en première augmente, tout simplement parce que ça va super bien avec set et les grosses frontline late game qui sont assez méta ATM. Mais est-ce que c'est vraiment ce dont il a besoin actuellement, sachant que là il a deux Wukong et une Poppy, du coup il peut partir sur defender art. L'intérêt c'est que là aujourd'hui on regarde pas des Chinois, on regarde des Américains. Du coup je peux comprendre ce qu'ils disent quand je mets le son. Et là il dit j'ai un opener defender, du coup je suis obligé de le prendre. C'est à dire qu'il avait deux Wukong et une Poppy, il était en train de partir sur une frontline defender. Du coup il n'y a pas d'intérêt à pas partir full defender. Donc là il joue carrément 5 defender. Vous avez vu qu'il a même mis une Poppy à la place d'un DPS. Pourquoi ça? Parce qu'en fait la Poppy va faire du DPS. La Poppy quand elle a 4 defender d'actifs, ça lui donne beaucoup d'armor. Et c'est comme Rammus, elle scale sur l'armor, du coup elle va avoir plus de dégâts quand on joue plus de defender avec. En plus on a déjà les dégâts de base de la Spark sur Riven. Riven aussi fait des bons dégâts, Wukong aussi, enfin globalement il a des dégâts en soi avec cette compo. Il va juste lui falloir des upgrades. Donc voilà, là on trouve des paires quand même. D'ailleurs c'est ça qu'on est en train de hold actuellement, on hold des paires. On a perdu le premier round donc on n'a pas forcément envie de forcer une streak maintenant. Si on peut faire 10 gold on va sans doute le faire, peut-être pas ce round là parce que c'est quand même deux Wukong et deux Poppy. On joue quand même Renekton à la place du Wukong parce qu'on a juste besoin de dégâts. Là on a déjà bien assez de frontline. Wukong c'est celui qui fait le moins de dégâts parmi tous ces defenders là actuellement. Et par contre on joue autour d'une baguette. Donc là je sais pas trop ce on va aller chercher en priorité avec ces baguettes, sans doute peut-être un Rabadon, c'est un item un peu flexible qu'on peut jouer partout. Là on a perdu mais on a des upgrades, donc la question c'est est-ce qu'on va upgrade ce Blitzcrank. Très honnêtement je pense pas, parce que je pense pas qu'il va push, je pense pas que même qu'il va pré-level ici, ça a pas trop d'intérêt. Puis il pourrait pré-level pour pouvoir passer niveau 5 automatiquement next round et avoir un shop en plus de niveau 5, mais est-ce qu'il a vraiment l'intérêt de ça, sachant qu'il a une paire de Wukong et une paire de Poppy, et du coup qu'il a envie de rester bas level pour upgrade ses unités qui sont des one cost. Mais on a quand même trouvé Renekton 2 qui va bien avec Riven parce que bah ça donne brawler et du coup sur un Renekton 2 qui a déjà pas mal d'HP de base, ça a une petite value et aussi des bons dégâts. Renekton en early game quand il a le temps de faire ses auto-attaques pendant son cast et qu'il se fait pas CC, qu'il se fait pas full DPS etc, il est super fort. On a une Poppy 2 avec une spatule, mais la spatule est peut-être un petit peu trop gamble là tout de suite, c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc là il voit qu'il avait une Kai'Sa avec une Ginzo potentielle sur le carrousel. Donc si vous l'avez vu et que vous avez dit moi j'aurais pris ça à sa place, et ben vous avez raison, c'est ce qu'il voulait prendre. C'est juste qu'il a vu une épée, il s'est dit il me faut une épée, c'est plus flexible. Et du coup il a juste en fait tunnel vision, il a pas vu la Kai'Sa. Et du coup il affronte Dishsoap qui lui a pris la Kai'Sa, qui a fait un static avec. Donc là vous vous rendez compte que s'il avait pris la Kai'Sa, il aurait été à la fois plus fort que cette Sona, mais en même temps il aurait empêché Dishsoap d'avoir cette unité là. Mais il aurait pu faire encore plus de... Oh et voilà, vous voyez il perd là, juste parce qu'il a pas pris la Kai'Sa. Donc il a pas pris la Kai'Sa, ça le rend plus faible, et ça rend Dishsoap qui le mec qu'il affronte plus fort. Ça change vraiment beaucoup 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 de choses dans la game d'avoir pris cette unité. Bien joué une Riven à la place de Sona pour faire de l'économie, il vend même la Rel. Comme ça il reste en 4 defender, il a 2 Wukong, il a 2 Poppy, donc la Rel est peut-être moins importante, sachant qu'il a aussi de Riven. Il a envie de garder toutes ses paires, ce Renekton 2, puis qui pour l'instant va all ses items. Là il affronte des joueurs qui sont forts niveau board, genre là le Rammus avec ses items c'est super fort à cette de la game. Wukong 2 etc. Lui au final la seule grade qu'il a c'est Renekton, et Renekton bah c'est fort mais ça apporte pas tant de choses que ça dans sa compo. Là il a besoin de dégâts, c'est pas l'unité qui apporte le plus de dégâts. Trouve une Sivir, il va remplacer le Renekton par Sivir. Je trouve que la Sivir est peut-être un peu chère dans le sens où là j'aurais peut-être joué juste une deuxième Poppy à la place, même si le fight est du coup un peu plus long, mais je pense qu'il le gagne quand même. Pourquoi? Parce que là il peut faire 30 gold et comme il a pas de streak et tout, c'est important qu'il fasse 30 gold. Je sais pas s'il va vendre la Vayne dans le cas où il a pas d'autres gold. Je pense que c'est le play honnêtement de vendre la Vayne. Voilà, on vend la Vayne. On trouve Poppy 2. Donc ça en vrai, ça peut paraître un peu pas important, mais Poppy 2 ici c'est trop 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 fort, ça apporte beaucoup. Simplement parce que Poppy en fait, genre Poppy 2 je vous ai dit ça scale avec l'armure et là il a vraiment besoin de dégâts. Cette Poppy si elle fait 2 cas sur un voilà sur la Sivir, vous voyez c'est la Sivir qui est le plus loin de la Poppy là. Voilà et du coup sur 2-3 cas il peut la tuer la Sivir. Bon là on dirait que non parce que voilà, mais elle a 3 Love Hunt et son cas, c'est pour ça qu'elle se heal. Mais globalement si elle se heal pas cette unité là, si c'est par exemple une Kiel 1, j'en sais rien, il peut la tuer juste avec la Poppy. Et on a un peu de chance dans le sens on n'a pas d'augmente de héros. Bon c'est pas vraiment de la chance parce qu'il aurait pu trouver par exemple une Riven 2, ce qui aurait été vraiment fort. Là il est un peu obligé de roll parce qu'il est pas du tout assez fort.
pour continuer. Ce qui va vraiment l'intéresser, ça va être des defenders, donc bien entendu Wukong, Riven, tout ça, mais aussi du DPS. Le DPS, c'est ce qui lui manque là tout de suite. Là, il trouve une Riven. Ouais, il a roll énormément, voilà. Il voulait juste, je pense, Riven 2, Kai'Sa 2, ou Wukong 2 au moins. Il voulait une autre upgrade concrètement avant de s'arrêter de roll. Là, le problème, c'est que du coup, il est en dessous de 10 gold, donc s'il perd ce round, c'est fini. Concrètement, c'est ça. Après, il a un excellent board avec cette Riven 2. Il a vraiment un board de fou. Mais ouais, ce que je disais, c'est que les héros augmentent. Le fait qu'il ait pas eu de héros augmente au final, c'est pas si mal, parce que même si ça l'aurait rendu un peu plus fort d'avoir peut-être trouvé, je sais pas, une augmente de Riven, le problème, c'est que ça l'aurait peut-être commit sur quelque chose. Genre, il aurait dû prendre une héros augmente qui lui ferme un peu ses possibilités. Vu le nombre de gold qu'il avait avant de roll down, c'était un peu bête. Là, bah, on se retrouve à jouer des recon, et vous voyez que c'est mal parti quand même. Hein. Pourquoi c'est mal parti? Parce que bah, déjà, il a pas réussi à upgrade ses unités en stage 2. Il a pas spécialement streak vu qu'il a gagné quelques rounds, perdu quelques rounds. Et en plus, les rounds qu'il a perdu, il a perdu de pas mal quand même. Et sur son roll down, il a des paires, donc il est obligé de garder des unités qui lui coûtent un peu cher, mais qui sont pas encore upgrade. Et là, il affronte quelqu'un qui. Il affronte Sox qui est vraiment super fort. Il a une Senna 2. Avec un Wukong 2, deux items. Et en gros, Wukong 2, ça vous permet, tant que vous n'avez pas 7, ça vaut juste un peu moins que 7-1 Wukong 2. Donc quand vous le mettez en mecha comme ça, c'est super fort, c'est super dur de vous battre. Après, il a 56 HP. La bonne nouvelle, c'est qu'il a une grosse priorité. Donc il a fait une Gunblade. C'est un super item de Kai'Sa, by the way. Si jamais vous jouez Kai'Sa, n'hésitez pas à le faire. Et il a récupéré une Ginzo sur un one cost en premier. Donc c'est vraiment qu'il value énormément la Ginzo Kai'Sa. Moi, très honnêtement, j'aime pas trop l'item sur Kai'Sa. Je trouve qu'il y a beaucoup mieux. Je trouve que faire des Genslayer, des Static, des Guardbreaker, des Rabadon, c'est beaucoup plus intéressant. Même des Hoge, des QSS. Mais je peux comprendre en vrai qu'il a une Rod et il veut s'en débarrasser. Il prend un autre arc et comme ça, il peut avoir un Genslayer aussi. Ce qui ferait un bon build. Genslayer, Gunblade, Ginzo, c'est très très fort comme build. Et on a quoi, Setsuko qui joue Jax. Donc une compo pas très forte actuellement. Mais il la joue vraiment full tempo. C'est-à-dire qu'il a roll au niveau 7. Il a push niveau 7, roll full au niveau 7. Bah, après, il a 24 HP, donc c'est un peu compréhensible. Il est vraiment 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 dans le mal, Setsuko. Il est descendu à 10 gold là. Et il a gagné que d'une seule unité. Je suis désolé, j'avais pas mis le truc en plein écran. Je vais vous mettre en plein écran maintenant. Le play qu'il aurait pu faire, c'est à la fois jouer Recon comme là il est en train de faire, mais aussi juste des surshots. Donc il aurait pu jouer Sivir, Senna, Reroll par exemple. Donc il aurait pu faire quelque chose comme Riven, Senna, Sivir, Reroll. Pas mauvais en fait, c'est les deux compos qui fonctionnent extrêmement bien avec juste de la frontline. Donc c'est-à-dire que vous jouez soit des recons, soit des surshots, c'est extrêmement fort avec des threat reroll par exemple, des threats en frontline. Là il essaie de hold les Riven mais c'est un peu trop cher. Et du coup on se retrouve dans un setup où on a 4 defenders, 3 recons, 3 sargans. Le petit problème actuellement c'est comme il a pas H, je pense que ça l'intéresse quand même d'avoir H, bah il peut pas crit en fait sur son casse de Kai'Sa, du coup il perd beaucoup de DPS quand même. Par exemple ce Z en un casse de Kai'Sa il est mort hein, sur un 4 recon. Très honnêtement toutes ces augmentes là sont pas folles, genre Into the Night c'est fort mais le problème c'est que mettre le Edge of Night sur la Kai'Sa c'est vraiment pas très intéressant, souvent c'est trop défensif, ça lui nique un peu trop ses dégâts en late game. La Riven c'est fort mais enfin c'est intéressant s'il veut faire Riven 3 à l'arrière, mais là ça va juste donner un shield en groupant toutes ces unités, mais le problème c'est que ça force à grouper les unités et c'est pas trop ce qu'on a envie de faire. À l'arrière il peut grouper sa frontline, je pense que c'est correct, mais voilà. Le problème de Starcross c'est que c'est intéressant en fait d'avoir la Kai'Sa, mais l'unité, l'augmente en fait est assez faible. En fait, vous allez buff un allié, mais souvent les alliés à ce stade de la game ils sont assez faibles. Tant que vous n'avez pas une Vayne 3 ou un Ezreal 3 avec, c'est pas très intéressant. Du coup, on veut vraiment le prendre quand on est en super high roll, mais là c'est pas son cas. Du coup, il va sans doute roll, je pense, cette augmente. Voilà, donc là on se retrouve avec multishot, réverbération, Jubilant Veil. Alors, Jubilant Veil va sans doute pas jouer Nila, il en a 0 dans sa compo actuellement. Réverbération, ça va lui permettre d'avoir une meilleure Riven. C'est en vrai, c'est pas faible du tout. Réverbération, ça permet d'avoir un peu de défensif sur la backline et d'augmenter la puissance de sa Riven. Le problème, c'est comme on l'a vu, il veut pas faire Riven 3. Par contre, c'est sûr qu'il veut faire Kai'Sa 3. Donc, je pense qu'il va juste prendre multishot. Ça lui donne une autre Kai'Sa. Ça le rend plus fort tout de suite. C'est l'unité qu'il est garanti d'aller chercher au niveau 3. On prend multishot. Là, on a une Poppy. Est-ce que vraiment on veut jouer cette Poppy? On la joue vers Wukong, c'est intéressant. Je pense que, ouais, je pense qu'en vrai, Poppy est plus intéressant parce qu'elle peut faire du DPS en backline. Concrètement, il a déjà assez de défense. En fait, il a déjà assez de résistance. Wukong, le spell, ce qui est intéressant, c'est que ça vole des résistances. Enfin, ça vole pas, mais ça crée des résistances. On a beaucoup d'armure déjà. En fait, on va juste créer de la résistance magique, mais c'est pas si intéressant que ça. Et on met directement la tire sur cette Kai'Sa. Alors ça, je suis un peu surpris. Je pense que s'il joue en 4 icônes, en rentrant une hache, qu'il fait une hoge, bah ça a du sens, à la rigueur, mais je comprends pas trop pourquoi il fait ça. Alors j'essaie de revenir un petit peu en arrière, voir ce qu'il disait par rapport à ce slam tire, mais en vrai, il en a pas parlé, donc il doit avoir quelque chose en tête, hein, il fait pas ça au hasard. Alors j'ai pas trop parlé de son deuxième choix d'augmente, mais il a eu Portable Forge qui paraissait juste super intéressant sur le moment. Je suis pas étendu dessus. Et après Eternal Winter qui est très 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 fort dans la méta. Eternal Winter c'est super fort parce que ça va prendre contre les MF, contre les Samira, contre les Senna, contre les Kai'Sa aussi. C'est vraiment un super item actuellement Eternal Winter. Surtout sur 7 ou sur un genre un Rammus par exemple, c'est super fort si vous avez un Rammus 3 ou un 7-2. Et vous noterez d'ailleurs qu'il avait Defender Spat mais qui s'est pas
ouvert nécessairement au fait de jouer 7. Pourquoi est-ce qu'il s'est pas ouvert à jouer 7? Parce que il est trop derrière en fait. Il était sur une game où il était trop derrière, et surtout en tournoi comme ça, quand les joueurs jouent vraiment bien, c'est dur d'aller chercher un 7-2 au niveau 8, parce qu'il faut avoir le niveau 8 quand on joue 7. C'est très important quand on joue Mecha MF ou Mecha Samira de roll au niveau 8. Et là, c'était pas vraiment ce setup. Il a en plus des items qui allaient pas super bien. Genre, il avait Gunblade Ginzo qui allait pas trop bien sur autre chose que Kai'Sa au final. Et du coup, il a fait cette hoge. Moi, je pense que ma théorie, pour vous expliquer pourquoi il a fait cette hoge, c'est qu'il est pas bien dans sa game. Il a vu le board des autres, il s'est dit, il faut que je sois fort maintenant. Il faut que je spike le plus possible, que je sauve le plus possible d'HP pour aller chercher ma Kai'Sa 3. Donc là, il a 5 Kai'Sa théoriques avec la Kai'Sa qui est dans la box. Et il faut comprendre que du coup on est dans un bon lobby, on a envie de sauver des HP et on a une larme sur le banc. Du coup on va directement la mettre sur cette Kai'Sa, et en fait ce qu'on va aller faire, c'est soit faire un statique, soit faire une hoge. Je pense que du coup là il avait pas le choix de faire un statique, et du coup il a décidé de prendre la hoge à la place, histoire de vraiment juste finir ses items en fait, aller chercher peut-être un système random au dernier PVE. Mais là il lui fallait quelque chose de fort maintenant, parce que voilà, vous voyez ce qu'il affronte là. Douglas, il est en train de jouer Jax. Tsuko est mort d'ailleurs. Tsuko qui est un des meilleurs joueurs américains en ladder, c'est un des deux seuls, il me semble, à avoir atteint au-dessus de 2000 LP en ladder américain, ce qui est extrêmement haut. Alors là, on roll down juste après le 5-1, on est trop faible, on a 26 HP, on sait que ça constitue 2 voire 3 vies, c'est pas assez du tout. On va pas au niveau 8, on peut jamais aller au niveau 8, parce que le problème c'est que si on va au niveau 8 ici, on se trouve avec genre 10 gold à roll, et du coup on n'a pas vraiment l'occasion d'aller chercher des unités intéressantes, de faire vraiment une upgrade. Faut aussi comprendre que c'est peut-être par rapport au nombre de points qu'il avait à ce moment-là du tournoi, il avait déjà de l'avance. Tout ce qu'il veut, c'est garantir un top 4. Pour ça, il lui faut absolument cette Kai'Sa 3. C'est marrant, on vient remplacer. On a enlevé H pour Genilla, donc. En fait, on va jouer une Kai'Sa qui au final est un peu demi-dommage. Moi, je pense vraiment que la H est mieux, mais après, là, c'est aussi que la Nyla lui donne Star Guardian. Donc, en fait, là, il joue vraiment une Kai'Sa qui est mix damage. C'est-à-dire qu'elle fait des dégâts magiques avec son cast, mais c'est tout. Et après, les crits, ça va être que sur ses auto-attaques, vu qu'il est en 3 recon. Mais il faut comprendre que même si elle a pas beaucoup d'AD de base, Kai'Sa, elle a beaucoup d'attaque speed. Et du coup, avec ses crits très élevés, elle a quand même beaucoup de dégâts physiques. On le voit sur les graphes de dégâts à la fin des rounds. Il y a à la fois beaucoup de dégâts magiques, beaucoup de dégâts physiques. Je pense vraiment que voilà, cette hache est mieux là tout de suite. Ça fait 1,5 fois les dégâts de base de rentrer cette hache sur le passif de Kai'Sa. Ça augmente énormément le DPS. Comme la dernière vidéo, on se retrouve à 2 HP. Là, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher ici? Sans doute juste un item frontline, un item qui fonctionne quoi. Le fiddle en vrai est intéressant. Ok, il a pris le locket. Alors ça me surprend de ouf. Je peux comprendre à la rigueur dans un sens, parce qu'il a une grosse frontline niveau armure et résistance. Mais est-ce qu'il va pas le mettre en backline plutôt? Je sais pas, c'est très étrange. Comment est-ce qu'il va faire ça? Là il y a une Kai'Sa qui est trop chère, faut absolument qu'il gagne ce round. Parce que cette Kai'Sa a beaucoup de valeur, on a l'impression que c'est un peu une Kai'Sa random. Mais cette Kai'Sa plus celle qu'il a dans la box, ça veut dire que la prochaine Kai'Sa qu'il aura après celle-là, il fait Kai'Sa 3. Cette Kai'Sa a beaucoup de valeur parce qu'elle valorise ses rolls en fait. Derrière il peut aller roll down, et ça a beaucoup 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 de valeur comparé à jusqu'à maintenant. Par miracle il gagne ce round. De toute façon en vrai il est assez fort hein, ce stade de la game. Le problème c'est qu'on commence à être vraiment tard dans la game. Du coup là il affronte la mauvaise personne, ça peut très très mal se finir. Et là il trouve Kai'Sa sur le roll d'après, et du coup on fait Kai'Sa 3. Alors ça peut vous paraître chanceux, en deux rolls il a trouvé les deux dernières Kai'Sa dont il avait besoin, etc. Mais faut comprendre qu'il a roll 60 gold en 5-1 et que depuis là il fait que de roll. Donc il a roll en tout peut-être 70-80 gold pour trouver quoi 3 Kai'Sa. Ça va, globalement au niveau 7 c'est vraiment des taux habituels. Kai'Sa en fait ça a un potentiel de comeback assez impressionnant quand même, parce que les dégâts en fait quand elle passe niveau 3 sont vraiment très élevés. Maintenant ça reste une game ça reste un truc de high roll. Vous pouvez pas juste vous faire détruire en early game et jouer Kai'Sa n'importe comment. Faut que le jeu vous donne quelques Kai'Sa, vous donne quelques items pour elle, etc. Faut pas juste voir des Kai'Sa et vous dire ah oui je vais jouer, j'ai une Kai'Sa dans mon roll, j'ai beaucoup de gold, bah je vais roll down pour Kai'Sa. Il faut quand même quelques conditions. Là il avait 2 Kai'Sa assez vite, 2 Kai'Sa, une frontline correcte, une Ginzo, une Gunblade, hop. Et du coup là la item, qu'est-ce que ça va être? Sans doute Sunfire, il a pas d'anti-heal. Ah si, il a déjà de l'anti-heal. Du coup ça va être Déclo qui est un item super, parce que bah là il a beaucoup de résistance avec ses defenders, mais il a pas de résistance magique. La Déclo aussi va heal en pourcent HP, donc ça lui fait des HP et de la résistance magique. C'est ce qui va lui manquer sur ses deux autres tanks. Comme on veut utiliser cette Rel qui a déjà un item, en fait elle a déjà un locket, même si le locket c'est un item de support pour ses alliés, ça reste quand même des stats sur l'unité. Du coup lui rajouter un autre item en plus, c'est plus de value que de par exemple mettre un random item sur Vayne ou un random item sur Poppy. Après vous direz Vayne elle a un Zeke qui a le même concept, mais là il a plus besoin de frontline parce qu'en fait il a déjà énormément de dégâts avec cette Kai'Sa qui en plus avec l'augmente de Kai'Sa fait des dégâts en zone, fait des dégâts sur une autre unité. Du coup très intéressant d'aller chercher cette upgrade. Et donc là on push niveau 8 maintenant qu'on a Kai'Sa 3, on va pas aller grid. Là c'est une erreur de débutant on va dire. Je pense que quand vous êtes surtout Bailo vous allez peut-être faire cette erreur de temps en temps. Vous voyez que cette compo souvent les gens font des plein de 3 cost niveau 3, donc par exemple des Vayne 3, une Riven 3 ici peut-être même un Ezreal 3 tout ça, et du coup on se fait bait, on se dit vas-y on reste au niveau 3, au niveau 7 machin et tout. Faut comprendre que là il lui reste quoi 4 rounds, 6 rounds grand max dans la game. C'est impossible d'aller chercher ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va push. Et là, c'est peut-être sur ce push qui bat Kurum. Et en tournoi, ça vaut un point. Un point, c'est beaucoup quand même. Il rentre une Nyla pour Star Guardian. Je me demande si c'est même pas un bait, très honnêtement. Parce qu'il a Shogat aussi. Shogat, ça fait de l'anti-mana. C'est très très fort le mana rive.
Ah, et là, il a le bug de Jax. Donc là, elle dash dans le Jax en boucle, la Kai'Sa. Et ça, ça signe la mort de sa compo. Merci beaucoup pour le soutien récemment. Je vous propose d'aller regarder ma dernière vidéo de Shungle, le champion du monde, sur 9 Laser Corps. C'est très intéressant aussi. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.